grand plaisir de vous retrouver pour cette rencontre dont le coup d'envoi va être donné dans quelques instants. Le ciel chargé au-dessus de nos têtes, on annonce beaucoup de pluie dans quelques minutes, mais cela ne devrait pas doucher l'enthousiasme des supporters qui sont venus très nombreux, qui mettent une magnifique ambiance depuis une heure maintenant. Pendant la présentation des équipes, pendant l'échauffement, ils auront sans doute un rôle à jouer dans cette rencontre. Quelle émotion de voir ce stade rempli jusqu'au dernier siège. Et c'est parti. Piatek, il récupère le ballon, c'était un bon pressing. C'est joué long. En retrait vers son gardien. Bonaventura. Hernandez. Bonaventura. C'est joué long. Vasalic. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il y a danger. Ça peut être dangereux. Bonaventura qui a un peu d'espace. Piatek. C'est joué dans l'espace. Sousso, repoussé par le poteau. Vasalic. L'Atalanta qui fait dézonner ses attaquants axiaux. Mais oui, c'est un peu bizarre quand même. Ah bon? Pourquoi? Comment ça? Le problème, c'est que c'est l'attaquant central qui doit être dangereux dans la surface. La frappe! C'est repoussé! Ça ne passe pas. C'est joué long, attention. Bonne interception, il y avait danger. Musacchio qui cherche la profondeur. Vasalic. Bon service dans la profondeur. Bonne lecture de la trajectoire. Quelle passe. Il tire. Oui, c'était puissant. C'est dommage qu'il ait gardé le ballon comme ça, alors qu'il avait des solutions de passe. Il frappe loin devant. Il faut que ça va partir vite. Ça, c'est une interception parfaite. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. L'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps. AC Milan qui regagne les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match. C'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. Ils ont terminé très fort et le coup de sifflet est arrivé peut-être un peu trop tôt pour eux. Faut qu'ils reprennent avec la même intensité. Aucun but marqué d'un côté comme de l'autre. 0-0 à la mi-temps. Coup d'envoi de la seconde période. On a vu les stats et avec deux fois plus de tirs d'un côté, c'est étonnant que les deux équipes ne parviennent pas à se départager. Oh, l'occasion! Oh, la frappe monstrueuse! Quel bijou! Yes, 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 yes! Oh, qu'ils sont bien entrés dans cette seconde période! C'était une volée extraordinaire d'équilibre. C'est sans doute l'un des gestes les plus compliqués à réaliser, mais il a parfaitement dominé son ballon. Le premier but dans cette rencontre. Vivement la suite. Il est arrivé vite ce but quand même, hein. Certains joueurs n'avaient pas fini de se recoiffer. Hernandez qui récupère ce ballon. La longue passe. Bien servi. Ce ballon et la tête. Poteau. Ça va vite. Aussi, il lève la tête. Ça n'a pas pu aller plus loin. Le long dégagement du gardien. De Roon.
Bien joué à droite, il faut aller vite. Il s'est récupéré facilement. On attendait un arrêt de jeu, le changement va pouvoir avoir lieu. Le premier changement n'a pas franchement été décisif, alors là, l'entraîneur abat sa deuxième carte. L'Atalanta qui tente de belles choses là. Ils n'ont plus vraiment le temps de se montrer prudents, non? Exactement, oui. Kessié. Il progresse encore. Bien travaillé dans la surface. Il est là pour dégager. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Kessié. Bonaventura. Faut frapper là! Parade, superbe! Oh, ça aurait dû faire 2-0 ça! C'est grâce au gardien que son équipe est toujours en vie. Bien joué. Ce sera le premier corner du match. Quelle détente! Oh, il marque! Et il compte maintenant 2 buts d'avance! La défense était bien présente, mais il a trouvé une brèche. Vous pouvez le marquer de près, de loin, seul ou à plusieurs. Lui, il s'en fiche. Il s'est débarrassé de tous les défenseurs avant de marquer sur ce tir imparable. C'est reparti sur ce score de 2-0. Dans la profondeur, bien vu. Hernandez. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Bien, la profondeur. Ça peut aller au bout. Il prend sa chance. Oh, quelle inspiration! Quel but extraordinaire! Oh, ça bascule en toute fin de rencontre. Ah, le lob! Il est magnifique! Quelle qualité technique, surtout quel coup d'œil! Il a parfaitement vu le gardien avancer. C'est un but magnifique. Et l'entraîneur a eu raison de le faire rentrer, ça paye vite. Et il a marqué quasiment sur son premier ballon. Quelle efficacité! Alors là, toutes les conditions sont réunies pour une fin de match explosive. L'arbitre siffle, le match est terminé. Mais qui a dit que dans le football, il n'y avait plus de spectacle? C'est faux, regardez la preuve, aujourd'hui on s'est régalé sur la pelouse, même si elle arrive.